Roland Ravanel, guide de haute montagne, la montagne, en ce moment, elle est comment, Roland? Elle est dangereuse parce qu'il fait très 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 chaud. Donc il faut partir tôt, il faut partir avec des gens qui connaissent, des guides si possible, mais il faut faire très attention au pont de neige, dans les pentes, à la glace, il faut être bien équipé, partir de bonne heure et modifier au rabais ses ambitions. Le danger, c'est les chutes de pierre, de glace, de neige, c'est quoi? C'est plutôt là au niveau de la neige, parce que ça se rétrécit, ça devient des peaux de chagrin, les glaciers. Il faut avoir le glacier du Tour. Et faut faire attention. Très attention. Les rimées sont béantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on part en montagne, il y a un danger, on ne peut pas échapper à ce danger. On peut échapper, mais il faut ruser. Il faut être un véritable Sioux pour ruser, avoir de la chance. C'est vite fait, hein, vite fait l'accident en montagne. Faut partir tôt le matin. Bien sûr. Très tôt. Et encore, ça gèle pas assez. Roland Ravanel, en période de canicule, est-ce qu'il faudrait réglementer la montagne? Ah, moi, je suis pas tellement pour la réglementation. Mais bon, il y a des endroits où il faut donner des conseils, il faut avertir, faut en amont, c'est sûr. Il faut donner des renseignements. C'est ça, la réglementation. Le mot d'ordre, prudence, prudence, prudence. Prudence, prudence au maximum et ambition limitée. C'est-à-dire qu'il faut savoir renoncer. Bien sûr, c'est une victoire de savoir renoncer. On a beaucoup de monde en montagne aujourd'hui. Ça veut dire que les gens ont envie de monter malgré tout. Ils sont là pour monter. Comment on peut faire pour renoncer justement, pour dire à quelqu'un, ne montez pas? Ben, il y a eu le confinement, donc on a envie d'aller à l'extérieur, on a envie de se balader. On n'a rien pu faire pendant longtemps. Pour autant, faut bien se rendre compte que la montagne est plus dangereuse, plus c'est chaud, plus c'est dangereux. Le réchauffement climatique rend la montagne dangereuse, Roland Ravanel. Bien sûr, c'est évident. Vous pensiez qu'un jour la montagne serait aussi fragile, peut-être aussi dangereuse même? Oui, mais ça va revenir. Moi, je suis un optimiste. Ça va revenir, les glaciers. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas la première fois. Merci, Roland. Je vous en prie.